vraiment sûr de ce que tu avances? Oui, c'est énorme, Ilsa. Il y avait du gorgonzola dans cette pizza, alors que c'était une Vesuvio. C'est trop horrible. Salut, Garfield. Tu sais, il n'y a rien de mieux dans la vie que d'être assis confortablement devant son programme préféré en mangeant un petit encas. Ah oui, il a raison. Il n'y a rien de mieux dans la vie que d'être assis confortablement devant son programme préféré. En mangeant un délicieux petit encas. Oh, d'ailleurs, j'espère que vous êtes bien installé, vous aussi. Tu vas me le payer, Garfield. Je te le promets. Calme, elle va pas te manger. Garfield, viens vite me débarrasser de cette immonde créature. Et tu devrais te regarder dans un miroir avant de parler, mon vieux. Au secours. Je suppose que j'ai pas le choix. Faites la sortie. On dirait moi quand il y a l'air mal à la maison. Bon, scénario numéro 8, tu te souviens? Mon préféré. Alain, je savais que j'aurais jamais dû entrer dans la maison de Garfield. Sors d'ici et ne reviens plus jamais, surtout. Je sors d'ici et je ne reviendrai plus jamais tant que Garfield sera là. Merci, Garfield. Scénario numéro 8. Je ne sais pas pourquoi j'ai peur des souris depuis que je suis tout petit. Avez-vous peur des souris depuis que vous êtes tout petit? D'un haut de vide, de l'avion, du train peut-être, des serpents ou des gens prénommés Bernard? Alors venez faire un tour dans la clinique de lutte contre les phobies du docteur Whipple. La clinique du docteur Whipple, pour vaincre ses peurs, peut vous aider à guérir tout type de phobie, y compris la spatulaphobie. C'est la peur de s'asseoir sur un sandwich crudité roquefort. La vaudodophobie. La peur de trouver des raisins secs dans vos raviolis. Oh, ça m'arrive tout le temps. Ou la zida, boda, voda, voda, boing, boing, booba phobie. La peur de déménager accidentellement au Pérou avec toute sa famille pour y devenir plombier à mi-temps. Ça arrive beaucoup plus souvent qu'on ne le pense. Quelle que soit votre phobie, le docteur Whipple et son équipe peuvent vous aider dans leur clinique. Garfield, je vais me rendre à la clinique du docteur Whipple pour me débarrasser de ma phobie des souris. Je sais pas si le docteur Whipple pourra m'aider, mais moi, j'ai peur que tout ça tourne mal. Bien sûr que je peux guérir votre phobie des souris, monsieur Arbuckle. J'en profiterai également pour guérir votre facturophobie. Facturophobie, qu'est-ce que c'est? C'est la peur de recevoir ma facture. Oui, c'est bien trouvé, ça. Voilà mon phobie laser. Il peut soit provoquer, soit supprimer n'importe quelle peur. Alors je le programme sur supprimer. Et je choisis musophobie. C'est la peur des souris. Et voilà. Ça ne prendra que quelques secondes. Et voilà, vous n'avez plus peur des souris. Faisons un test. Sandra. Waouh, j'ai pas peur. Garfield, j'ai plus peur des souris. Et ce n'est pas parce que je n'ai plus la phobie des souris que je vais changer d'avis. Je ne veux pas en voir une seule à la maison. D'accord, je leur dirai de mieux se cacher. Regardez un peu, ils disent que l'hélurophobie est la peur des chats. C'est vrai. J'ai une question. Que se passerait-il si on donnait la phobie des chats à un chat? Bonne question. Et si on essayait pour voir? Voyons voir. Ajouter phobie, hélurophobie. Mince, il a oublié de m'enlever ma facturophobie. Je commence à avoir peur. Je vais les suivre discrètement pour documenter un peu ma petite expérience. Waouh, un chat qui a peur des chats, ça va être rigolo.
Je vais préparer le dîner. Super. Quoi que tu prépares, je veux une double portion. Salut, Garfield. Oh, salut, Harry. Comment vas-tu? Garfield, qu'est-ce qui t'arrive, enfin? Oh, allez, va-t'en. Je ne descendrai pas tant que tu seras là. D'accord. Je m'en vais. Eh ben, moi qui pensais qu'il m'aimait bien. Ça sera super pour mon émission de télé. Oh, la panique m'a fait oublier que j'étais nulle quand il s'agit de grimper et quand il s'agit de descendre aussi. J'ai hâte de montrer mon nouveau rouge à lèvres à Garfield. Je suis sûre qu'il va l'adorer. Garfield, tu es là. Alors tu me trouves belle aujourd'hui? Il faut que je jette ce rouge à lèvres à la poubelle tout de suite. Il doit me faire ressembler à un véritable monstre. Vous savez quelle bouche la piquette? Il est complètement fou. Alors, quand Garfield n'est pas là, je peux regarder la télé sans finir dans une poubelle. Il serait temps que j'aie ma propre série, non? Tout de suite dans l'émission du Dr. Whipple, vous découvrirez comment j'ai inspiré la phobie des chats à un chat. Regardez donc ce spécimen. Il a peur de ses semblables, y compris de lui-même. Garfield! Ah, c'est l'occasion de prendre ma revanche sur Garfield, enfin! Oh, j'espère que je ne vais pas croiser de chat ou de verre. Salut, Garfield! Je ne suis jamais content de voir Nermal, mais cette fois, c'est pire que tout. Et là, ça va mieux? Oh, c'est génial! Ah, il me faut une cachette! Où est-ce que je peux aller? Et si tu venais me rejoindre? Super, je vais te... Va-t'en! Je vais partir, Garfield, mais seulement si tu me promets de ne plus jamais m'expédier au pôle Nord. Mais c'est mon jeu favori! Non! Bon, d'accord, je promets de ne plus jamais t'expédier au pôle Nord. Et... Comprenez-moi, monsieur l'agent. Ma vue est tellement mauvaise que je n'ai même pas vu le passage piéton. Vous feriez mieux d'aller enquêter sur ma voisine qui sort ses poubelles le mardi au lieu du mercredi. Tu es là? Qu'est-ce que Nermal t'a fait? Il m'a fait promettre de plus jamais l'expédier au pôle Nord. Je sais pas pourquoi j'ai si peur de lui. Moi, je sais, je vais t'expliquer. Viens là. Le docteur Whipple, hein? Mais je crois que je vais avoir besoin de son invention. Je m'en vais, docteur. À demain. Supprimer l'hélurophobie, la peur des chats. Je suis guéri? Oui, j'ai plus peur de moi-même. Alors réfléchissons. Voyons voir quel sort je vais réserver aux autres. D'accord, Nermal, à ton tour maintenant. Garfield ne m'embêtera plus jamais. D'ailleurs, il s'approchera plus de moi. Et même s'il m'embête, il a promis de ne plus m'expédier au pôle Nord. Ah.
Tu as peur de quelque chose, Nermal? Oui, mais je sais pas de quoi. Tu as peut-être la mignonophobie. La mignonophobie, mais c'est quoi ça? Mais la peur d'être mignon. Oui, c'est ça. Je suis beaucoup trop mignon. Mais qu'est-ce que je vais faire? Je suis mignon et ça risque pas de changer. J'ai peut-être la solution. Au pôle Nord, ils ont d'autres critères de beauté, tu sais. Alors envoie-moi au pôle Nord, s'il te plaît. Ah non, je t'ai fait une promesse. Tu peux oublier ta promesse. S'il te plaît, envoie-moi au pôle Nord, envoie-moi au pôle Nord, vite, 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 au pôle Nord, au pôle Nord, au pôle Nord, au pôle Nord. Pas bon, si tu insistes. Ah, je sais pas comment te remercier, Garfield. Reste là-bas éternellement, ça suffira. Vous n'êtes pas obligé de faire attention, hein. C'est pas fragile du tout. Bien joué, Garfield. Tu as prévu de rendre la machine au docteur Whipple? Bien sûr, il va en avoir besoin pour guérir de sa nouvelle peur. Au revoir, Nermal! C'est une peur que j'ai inventée, la dessin animophobie. La dessin animophobie? Oui, c'est la peur d'être dans un dessin animé. Mais je suis dans un dessin animé! Oh non! Oh, je suis toujours dans un dessin animé! Ah! Ici aussi! Quoi que je fasse et où que j'aille, je suis toujours dans un dessin animé!